Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 19e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. L'actualité est riche et variée comme chaque lundi, à commencer par le national hivernal petit bassin de natation. Le GSP rafle la mise en dominant pratiquement toutes les spécialités et toutes les finales. Tennis, l'Algérien Youssef Rihan remporte le tournoi ITF Junior Mahdi Bouras de Ben Aknoun. Également on parlera de l'équipe nationale de basketball qui prépare son tournoi qualificatif à l'Afrobasket. Absence remarquée des internationaux du GS pétrolier pour diverses raisons. Et puis des nouvelles défédérations entre Assemblée Générale Élective et Assemblée Générale Ordinaire. Et puis le musée olympique algérien qui ouvre ses portes 15 jours après son inauguration. Tous ces thèmes, comme chaque lundi, à développer avec nos invités et nos collègues qu'on retrouve d'ailleurs avec grand plaisir. Abdelnour Belkhir, notre consultant maison, et Wahib Abelhoua, notre reporter également. Réel plaisir de vous retrouver. Bonsoir Mortal, bonsoir amis sportifs. Le plaisir est toujours partagé. Wahiba. Bonsoir amis sportifs, bonsoir Mortal, bonsoir. Bonsoir tout le monde, on va dire, et bonsoir à notre invité du jour aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir un jeune entraîneur qui vient tout juste d'arrêter sa carrière, il y a de cela deux saisons, on va dire. C'est Mahdi Hamama, l'ex-champion, c'est un Olympien également, il a participé aux Jeux Olympiques. Mahdi Hamama, bonsoir, c'est un réel plaisir de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. Salam alaikum, merci pour l'invitation et bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, vous êtes donc entraîneur au GSP après ça fait une riche carrière d'athlète. Oui, alhamdoulilah, ça fait deux ans que j'entraîne. Bon, je cadre l'équipe senior du GSP et bon, ça fait deux ans que j'ai arrêté ma carrière après avoir un diplôme en conseiller du sport. Donc, alhamdoulilah, on a commencé à travailler avec des jeunes talents, avec des jeunes qui sont vraiment talentueux. Pour le moment, bon, la natation, elle n'est pas vraiment au top, comme les années précédentes. Donc, le problème qu'on a eu cette année, c'est l'infrastructure, la disponibilité des infrastructures. Donc, on n'a pas eu vraiment une bonne planification sur cette année. Il y a aussi le club GSP. Non, c'est pas juste le club GSP. On va revenir, Mahdi, si tu permets, sur tous les aléas. Tu es aujourd'hui ici avec nous pour parler de ce championnat national et de ton club, votre club qui a dominé la compétition. D'habitude, on a l'habitude de ramener des entraîneurs chevronnés. Et Wahib Abelhoua a eu l'excellente idée de nous ramener donc un jeune entraîneur qui vient tout juste sortir de l'ISTS. Il a un bel enchaînement entre la fin de la carrière et la carrière d'entraîneur. Ouais. Moi, j'ai eu l'idée, d'ailleurs, on en a parlé, parce qu'on a, d'abord l'habitude d'inviter tout le temps des entraîneurs qui ont plus d'expérience sur le terrain et peut-être qui ont fait des études dans le sport ou ailleurs. Mais la spécificité de notre invité aujourd'hui, c'est qu'il était, il était parmi les meilleurs nageurs. Ouais. Il était parmi la génération des meilleurs nageurs, je dirais, encore pour préciser, Nabil Kebab, et Constantinois comme il est, donc il a eu peut-être la chance aussi de nager, surtout vous avez le même âge, de nager avec Ben Abid Aouf, sa génération, qu'on a, on dit, et je dirais toujours, un nageur qu'on a perdu, parce qu'il nageait à l'époque, il avait pratiquement le meilleur temps que Phelps, qui a eu plus de 22 titres olympiques et tout. Donc
c'est peut-être c'est une perte pour la natation algérienne. C'était à l'époque déjà de réfléchir pour un projet sportif, chose qui n'a pas été faite. Peut-être on aura l'occasion d'en parler plus tard. Et aujourd'hui, on a un modèle, c'est un nageur. Produit algérien, qui a côtoyé une génération de bons nageurs, qui a aussi bénéficié de beaucoup de moyens à l'époque, les années 90 et 2000. Donc ils étaient très très bien encadrés, très très bien entourés. Donc ils ont eu pas mal de résultats. Peut-être on va faire la comparaison entre les générations. Et le modèle est là, il a terminé ses études, il s'est marié, je ne savais même pas, il m'a pas invité à son mariage. Je retrouve l'alliance avec une nageuse que je connais très bien. Merci Madjao aussi à préparer un reportage en 2013. On aurait pu peut-être ramener le reportage dans cette émission. Si j'avais su, c'est je parle surtout de Lydia Ifsar que je salue. Voilà, un petit coucou à Madame. Donc c'est Madame Hamama. Donc fille ça. Abdelmour Belkhir, nous avons aujourd'hui avec nous un modèle de réussite en matière de sport et surtout un modèle purement algérien, un ancien champion qui se convertit au métier d'entraîneur. Oui, le jeune Hamama qui a fait ses preuves au plus haut niveau en matière de natation a été un nageur indemne de reproche sur tous les plans, d'abord du point de vue de l'hygiène de vie, du point de vue du comportement en dehors et dans le bassin. Et il a eu le privilège de terminer des études universitaires à l'ISTS et je pense qu'il il a véhiculé assez d'expérience pour transmettre son savoir voir à la jeune génération qui l'encadre et je veux pour preuve les résultats que ces athlètes ont réussi à avoir lors des derniers championnats européens. Je pense que quand même c'est un exemple à suivre pour peut-être les futurs entraîneurs de la discipline natation. Voilà, donc un modèle à suivre avec M. Mehdi Hamama qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de compétition à présent et surtout ce championnat national Open à Bab Zawar, petit bassin, il faut le rappeler. Et donc des records et la domination du GSP, ce sont les deux faits principaux à retenir. Principaux, c'est. On a l'habitude surtout de voir le club GSP avoir le titre ces derniers temps parce qu'il ramène déjà des nageurs expérimentés, il a des jeunes, mais il ramène aussi des nageurs professionnels qui donnent le plus dans les certaines compétitions. Il faut rappeler aussi que toute la nouveauté, c'est qu'il y a eu des records qui ont été battus, des vieux records, comme on dit, des records de 15 ans, des records de 15 ans, 16 ans. Donc, c'est, il faut en parler. Pourquoi ces records ont duré autant d'années? On va en parler, mais ce qui est important, c'est que ces records, il y a trois records qui viennent d'être battus dans le reportage. Avant cela, le jingle événement, on se retrouve pour le compte rendu de cette compétition. L'événement, c'est la piscine de Bab Zawar qui l'a abrité durant 5 journées. Vous venez d'écouter Bab El Houa qui venait de planter le décor de cette compétition en plaçant cette introduction, domination du GSP et des records également. Le GSP qui a dominé la compétition, c'est le premier sujet. On se retrouve juste après pour en débattre. Les nageurs et nageuses du groupement sportif des pétroliers ont dominé la compétition avec un total de 33 titres. Les garçons ont récolté 27 médailles, dont 15 en or, 8 en argent et 3 en bronze, avec un nouveau record d'Algérie de Oussama Sahnoun sur le 200 mètres nage libre, avec un chrono de 1 minute 45 secondes et 78 centièmes de seconde. L'ancien record était de 1 minute 48 secondes 03 centièmes, détenu depuis 2003 par Kebab Nabil au meeting de Dunkerque. Oussama Sahnoun est sacré meilleur athlète par médaille avec un total de 5 or et 1 en bronze. Il a eu la meilleure performance au point avec 780 points obtenus sur le nouveau record du 200 mètres nage libre. Oussama Sahnoun, qui nage dans le meilleur club de France, le Cercle des nageurs marseillais, s'exprime. Aujourd'hui, je suis à Marseille, donc je me retrouve avec des nageurs professionnels de haut niveau. Donc je profite de ça, je prépare mes échéances internationales, les championnats du monde de l'âme. Bien sûr, il y a les Jeux islamiques avant, Inch'Allah qu'on nous fait le mawad.
وكما يقول لك الهدف الوحيد يبقى توجور طوكيو 2020. Chez les filles, le GSP a raflé 28 médailles, dont 18 en or et 10 en bronze. Sohat Cherwati, la doyenne du club, s'est taillée la part du lion avec 6 médailles d'or dans les courses individuelles. Elle pulvérise son propre record d'Algérie dans les 400 mètres nage libre, réalisé au Mondiaux de Canada en l'améliorant de plus de 2 secondes. Le nouveau chrono est de 4 minutes, 12 secondes et 16 centièmes. Cherwati a été aussi sacrée meilleure athlète par médaille, avec 6 en or et 1 en argent. Elle obtient la meilleure performance par points sur le 400 mètres nage libre avec 804 points. Je suis très satisfaite du temps du 400 parce que ça reste quand même... Je me rapproche du niveau mondial doucement mais sûrement, mais je suis très satisfaite. Nos athlètes avec les ailleurs durant les 6 mois à dos, on se bat 6 séances bas. Et 3 séances d'archives, c'est 9 séances. En plus de ça, c'est le GSP, le Rai d'Anfeon. On a Hakam. Voilà, Hakam, c'est leur part dans ce championnat national. 33 titres, s'il vous plaît. Mahdi Hamama, vous avez pratiquement d'habitude, vous rivalisez. Il y a Lusma qui rivalise. Donc, vous partagez des fois la poire en dos, comme on dira l'autre. Mais là. Vous écrasez toutes les spécialités. Donc pour le USMA, c'était vraiment un choc. Parce que d'habitude, il y avait de la concurrence. Et on parle de changement de politique à l'USMA, non ? Peut-être. Je ne sais pas encore quelles sont leurs stratégies et leurs objectifs. Mais normalement, c'est les seniors qui doivent mener la locomotive. Quoi. Tirer les jeunes et tirer les enfants vers un niveau honorable. Ils pensent plus ces derniers temps à former des jeunes. Ils comptent aussi sur des nageurs qui viennent de d'ailleurs de l'étranger, comme Boumala. Il y a des nageurs qui pourront peut-être donner le plus durant les championnats d'été en Open. J'ai vu dernièrement les interclubs. Est-ce que depuis les interclubs, vous attendiez à cette domination en championnat? Non, les interclubs justement. C'était le Sahel Nautique. Bon, on avait quelques absences par rapport aux athlètes et quelques athlètes qui étaient blessés. Maintenant, en plus de ça, nos objectifs c'était les championnats d'hiver, les championnats d'été. C'est ça les objectifs. Nos objectifs, parce que c'est la sélection nationale se fait dans ces compétitions-là. Alhamdoulilah, 33 médailles. Les interclubs, surtout, c'est la comptabilisation des points. Donc, le Sahel Club Nautique a eu la première place par rapport aux points. Mais cette fois-ci, il y a des titres individuels. Et chaque majeur joue déjà. Et il met ses titres en jeu pour participer à d'autres compétitions. Avant de découvrir ce qu'ont fait les autres clubs dans le titre aujourd'hui, c'est le GSP. Le GSP et les autres. Et les autres, voilà. Avant de découvrir, on aimerait avoir l'avis de notre consultant en maison. Par rapport à la domination du GSP, alors qu'il y a quelques années de cela, l'USM Algérie rivalisait avec les pétroliers. Oui, je reviens d'abord à la domination des éléments du GSP. Une domination, c'est-à-dire les nageurs et les nageuses du GSP ont régné pratiquement sans partage aucun. C'est une domination à plate couture. Hein. Ils ont gagné pratiquement la quasi-totalité des titres, ce qui prouve un tant soit peu le même niveau de la composante globale du GSP, et avec à la clé de surcroît de record d'Algérie, le troisième a été battu par le Ramzi de l'Ibrahim. L'USMA recule d'un cran parce que peut-être qu'ils ont revu à la baisse leur ambition compte tenu des moyens peut-être qui leur manquent, de la prise en charge d'éléments de haut niveau qui nécessitent beaucoup plus de moyens financiers, ce que la section de natation de l'USMA ne peut pas se permettre, du moins pour l'heure actuelle. Mais une chose est sûre, c'est que la domination du GSP était attendue du reste. Voilà ce que j'ai à dire. Le GSP a dominé donc la compétition, mais il y a eu d'autres résultats non négligeables. Il faut le rappeler à Wahid Abdelhoua, comme le résultat par club d'une équipe qui arrive, le Nadiria de l'Ibrahim. De l'Ibrahim, déjà qui s'est classé deuxième. Et ce qui est,
ce qui est important de signaler au niveau de ce club, c'est que ils rivalisent chez les filles et les garçons. Il y a un équilibre chez les filles et les garçons. C'est un club qui est composé surtout de jeunes nageurs et nageuses. Donc on va retrouver peut-être on va parler de ce club et d'autres clubs qui sont en train aussi de former, comme la SPTT qui a un bon nageur Abdullah Arjoun, qui est en train de faire beaucoup de choses au niveau de la spécialité du dos. Donc il y a des clubs qui ont régressé, comme l'OCA par exemple, qui n'a plus de nageurs qui rivalisent. Donc c'est des clubs qui pensent surtout à la formation, et d'autres clubs qui ont des nageurs et qui optent pour eux pour arriver à avoir des résultats avec les équipes nationales. On découvre tout cela en images. Wariba Belhoua n'a oublié personne. Rassurez-vous, reportage, on se retrouve juste après. Le Médériadé de Del Ibrahim s'offre 8 titres, 4 chez les filles et 4 chez les garçons, avec un nouveau record d'Algérie de Remzi Chouchard aux 400 mètres 4 nages. Le jeune nageur de 20 ans réussit un chrono de 4 minutes 20 secondes 65 centièmes. Il pulvérise le record de Daït Sofiane, qui était de 4 minutes 22 secondes 21 centièmes en 2003. Alors, je suis vraiment très content de ma performance. Ça fait une année où j'essayais de battre le record du 404 nages. Malheureusement, l'année passée, ça n'a pas marché, mais j'ai battu le record du 1500. Cette année, alhamdoulilah, je l'ai enfin battu. C'était avec des entraînements très difficiles et tout. 5h du matin, 7h. Je voudrais surtout remercier mon entraîneur qui était toujours avec moi, était tout le temps derrière moi, surtout mes parents. Le NRDI totalise 15 médailles chez les garçons et 16 chez les filles, avec une composante très jeune. Alhamdoulilah, je suis en train de progresser d'une course à une autre. J'ai pas fait mon meilleur temps, mais ça va, on dit alhamdoulilah. Et deuxième place en garçon et en fille, très content pour eux. Je pense que ça augure de bonnes choses, vu que quelques-uns ont des échéances comme les Jeux islamiques. Les autres se préparent pour les championnats d'Afrique. On a 7 en équipe nationale. Franchement, avec le peu de moyens, on arrive à damer le pion à pas mal d'équipes comme l'USMA, comme le Sahel Nautique. On est une petite équipe qui monte avec l'aide de tout le monde. Je pense qu'on arrivera à faire de meilleurs résultats. La SPTT d'Alger arrive en troisième position avec 2 titres du jeune espoir Abdullah Arjoun, avec une tentative de battre son propre record d'Algérie du 200 mètres d'eau, réalisé aux interclubs d'Alger dans ce bassin même. Abdourat de 50 centièmes de seconde son propre record. جاني فيغاج عطيتهم قاعديك وقال لي المدرب تاعي ثاني كانت صعيبه بزاف باش ربحني لا لاش تاعك مور في رجعيان في 100 متر كانت نتيجه مليحه وشفتو كان عندي دي زادفيرسير مليح كيما نازل في المباراه اللي فاتني في 50 متر على جال ديبار ولا كولي وكاين مولاد قدام ثاني تاع الساحل. Une autre tentative de battre le vieux record de 15 ans de Slimani Ariles sur le 200 mètres papillon, raté de 77 centièmes de seconde par l'enfant de Bouira, Lonis Hendrich, sociétaire de Nederiadi de Del Ibrahim. Je ne m'attendais pas à réaliser ce chrono et aujourd'hui je viens de rater aussi le record du 200 mètres papillon qui est de 2 minutes et 96 centièmes alors que je l'ai raté de 77 centièmes. Je suis toujours en période de préparation, je suis un peu en période de charge. Donc j'espère battre ce record au grand bassin, au bassin de 50 mètres. Ce record qui me suit depuis l'année passée. La sprinteuse du dos et nage libre du GSP Amel Millih améliore ses performances même dans une spécialité qui n'est pas la sienne. Bon, après 50 papillons, mais je suis qu'à spécialité terrain. Mais voilà, le but c'était de nager, se faire plaisir, c'est tout. Alhamdoulilah, j'ai terminé le premier avec mon meilleur temps, donc Certains clubs comme la JF Kouba et le club sportif amateur d'Oran peuvent s'enorgueillir de disposer de l'atout jeunesse. Belbaki, Samer et Taibi Hichem constituent l'avenir de la discipline. تحتاج العام باش نعطيني سيريوزمون ويت نحقق عندي اوبجيكتيف والحمد لله اني وصلت له راضي على النتيجه تاعي ونحمد في ربي وعلى اللي خدمته وجبت هذا الميدال ان شاء الله. لا
l'avenir de la discipline. Est-ce que c'est encourageant pour l'avenir? Est-ce qu'il y a des résultats probants, on va dire? Bon, par rapport à la moyenne, il faut dire la vérité, non. Il faut chercher c'est le problème. Ça vient d'être clair. Oui. Bah oui, il faut pour préparer le 2021, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est un cycle olympique. Il faut démarrer de la préparation dès maintenant. Il faut planifier chaque année, chaque mois, chaque semaine. Parce que par rapport, bon, c'est 2021, vous pensez aux Jeux méditerranéens, bien sûr. Très bien. Parce que ça se passe chez nous, on doit. Donc, mais généralement, le championnat hivernal se déroule fin d'année, décembre, janvier, le retard, les athlètes sont en perte de charge. À chaque compétition, même les compétitions. Voilà. Ça ne gêne pas les athlètes dans les résultats. Dans même la préparation, dans même la planification de l'année. On n'a même pas un programme de compétition dès le début de saison. Donc on ne peut pas la trouver. On ne peut pas même pas planifier les entraînements. C'est difficile. C'est très très difficile. Avec 4 compétitions dans l'année, quatre compétitions, c'est vraiment rien. C'est peu. 4 compétitions, les gens le font dans un mois de préparation. Il faut peut-être penser à des meetings organisés. Des meetings internationaux, des compétitions régionales, il faut motiver les jeunes, c'est ça. La compétition, c'est une sorte de motivation pour les jeunes. Est-ce que c'est le manque de volume qui n'est pas important ou bien... Non, le volume de travail, même le volume de la charge compétitive elle-même. C'est ça notre problème. Bon, il n'y a pas assez de compétition. Il n'y a pas assez de compétition, mais même les compétitions, elles doivent être dans un niveau très élevé. Donc, un certain planifier niveau. Et chercher. Même le niveau de la compétition, même comme la participation de Oussama Sahlen, il va élever le volume de participation aux championnats de France. C'est vice-champion de France. Bon, le deuxième en championnat de France. Donc, et dans un club. Le premier championnat de France, c'est un champion olympique. Donc, le niveau de la compétition, ça lui a permis de progresser. C'est ça, exactement. Donc, vous avez été dans le club de CNM Marseille, oui. Cercle des majeurs de Marseille, c'est le meilleur club au monde. Mm-hmm. Ah, justement, parlez-nous de la différence, déjà, où est-ce qu'elle se situe À Marseille. Quand on parle, la différence, où est-ce qu'elle se situe quand on parle de volume d'entraînement, par exemple Le volume d'entraînement, c'est par rapport à la... Pour les athlètes d'élite, donc on commence par le niveau, le haut niveau, le très très haut niveau. Donc c'est 7 heures d'entraînement, 8 heures d'entraînement par jour. C'est pas suffisant, c'est pas juste le bassin, c'est pas juste la nage, c'est pas juste la musculation, c'est le footing, c'est un sport complet. Demande la préparation physique, préparation mentale, la musculation, les soins, la récupération. On est vraiment, vraiment, vraiment loin. Et là, c'est combien de temps par jour chez nous? Combien d'heures pour un athlète d'élite? Par exemple, chez moi, c'est 9 heures. C'est 9 heures par jour, toute la journée. Exactement. C'est 8 heures, 7 heures, 8 heures 7 par jour. Et des quotidiens, matin et soir, matin plus soir. La séance de musculation ou la séance de travail à sec, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Autre problème, Abdelmoura Belkhir, si on veut augmenter le volume, on n'y arrive pas puisque pratiquement tous les couloirs sont pris. Oui, comme on sait, la natation est une discipline sportive extrêmement pénible, je dirais. Quand on s'entraîne au rythme du bi-quotidien ou du tri-quotidien, c'est pas facile pour les jeunes de récupérer un laps de temps très court et puis pour mener à bien aussi leurs études. D'une manière générale, les nageurs et les nageuses jeunes sont scolarisés. Donc, ils sont contraints de choisir et de faire le choix entre les études et la natation. Le fait de s'entraîner 3 fois par jour est difficile peut-être pour être lorsqu'ils sont confrontés aux problèmes d'études. Aussi, il y a un autre paramètre, une autre difficulté, c'est le fait pour ne pas pouvoir utiliser à bon escient suffisamment les couloirs au niveau du bassin. Les couloirs sont saturés généralement. Il y a peut-être la présence de 30 jusqu'à 50 athlètes, peut-être dans un même couloir. Et ce nombre extrêmement important d'athlètes laisse des séquelles, si vous voulez, pour ce qui est de la réussite de l'entraînement.
aussi, les gens, lorsqu'ils sont confrontés à ce type de problème, ont des difficultés à bien récupérer. Comme le disait si bien l'entraîneur Hamama, lorsqu'il y a manque de moyens de récupération, lorsqu'il y a suffisamment et pas suffisamment de moyens d'entraînement, lorsque la nourriture n'est pas au top, lorsque le suivi médical ne répond pas, si vous voulez, à la demande, il y a pratiquement ce qui peut causer une déperdition au niveau de la masse de pratiquants des jeunes athlètes. Et je suis persuadé que tous les clubs d'Alger, exception faite peut-être pour l'élite, certains éléments de l'élite, le problème d'entraînement dans le bassin se pose avec acuité. Mortan, je rajoute juste une petite, c'est pour aller dans le même sens, c'est que parce que nos piscines, il y a des adhérents et il y a des athlètes, surtout des athlètes d'élite. Si on réfléchit bien, si on réfléchit à un programme sportif, il faut qu'il y ait des piscines consacrées surtout aux athlètes. Uniquement aux athlètes, pour qu'ils puissent trouver tout leur temps de. S'il a du temps libre, il vient nager la matinée, il vient nager à midi, le soir, donc c'est par rapport à un programme scolaire. Et on sait pertinemment que le programme scolaire n'aménage pas nos athlètes, c'est pas comme aux États-Unis. Il faut rappeler également que les créneaux sont payants, donc vous comprendrez pourquoi. Il y a eu beaucoup de belles choses à découvrir et à voir dans ce championnat national, sauf qu'on a eu trop mal aux yeux cette fois-ci. Oui, ça va de soi, parce que si on parle de la saturation justement des bassins, parce que je pense que l'injection du chlore, je ne sais pas, il y a un problème au niveau de la piscine de Babzoual et dans d'autres piscines. Moi, je vous parle en connaissance de cause, même dans la piscine du 1er mai, les enfants nageaient, ils perdaient les sourcils, leurs cheveux Cette fois-ci, on parle d'un dosage très, très fort. Et je pense que c'est les problèmes du dosage, c'est par rapport à l'intensité de la charge. Dans la pratique, dans cette piscine et dans d'autres piscines. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'adhérents qui nagent, qui terminent à 4h30 leur séance, et les athlètes commencent les entraînements à 5h. Moi, je vous parle en connaissance de cause. Parce que les bassins, ils ne sont pas libres avant, et on n'aura jamais une eau claire pour nager. Moi, je pense, si on prépare des athlètes d'élite, il faut penser déjà à aménager leur créneau et à trouver des structures bien spécifiques pour les nageurs d'élite. Il y a beaucoup de nageurs qui... Vos athlètes ont souffert du taux de chlore. C'est pratiquement pour tout le monde. C'est pas juste mes athlètes ou moi-même. C'est pas pratiquement pour tout le monde. Et dans n'importe quel bassin piscine au monde, il y a toujours ce petit problème du chlore, du dosage, mais c'est par rapport aux heures d'entraînement dans l'eau. Donc, 7 heures d'entraînement dans l'eau, c'est normal, le chlore va réagir et va... Mais chez nous, c'est un petit peu de... C'est par rapport à la charge des bassins. C'est des bassins qui fonctionnent de 8h du matin à minuit, peut-être. On parle de waterpolo qui s'entraîne. Ouais. Et pourquoi on parle de ce problème? Puisque vous étiez sur place pour couvrir l'événement et plusieurs personnes se sont rapprochées pour faire cette remarque et surtout se plaindre du taux de chlore qui, même le public qui était présent, avait mal aux yeux. On écoute des impressions que vous avez recueillies à ce propos. On revient juste après. Alors, on était en train de nager les 200 nages libres. C'était la troisième séance. En fait, il y avait trop de chlore dans la piscine. Je me suis vu en train de... J'ai perdu beaucoup parce qu'il y avait trop de chlore. J'ai pas pu respirer. Donc, j'ai fait un très mauvais temps. Je suis sorti, j'ai vomi. Au report à la compétition, elle a déjà le chlore. Bon, l'incident, c'est apparemment les nageurs ont ressenti un excès de chlore. Donc, ils n'ont pas pu terminer la séance ni d'échauffement, ni de la première compétition. On a déjà qui connaît la tribune, etc. Mais bon, je pense que ce n'est pas un cas isolé de la piscine. C'est-à-dire, on s'entraîne au quotidien au 5 juillet. Et les enfants se plaignent au quotidien de l'excès de chlore. Une centrale d'éjection de chlore et de pH. Donc malheureusement cette machine elle est à l'arrêt maintenant, elle fait l'objet d'une réparation.
Oui, oui. C'est-à-dire que c'est avec cette machine qu'on peut arriver aux normes normales de l'injection du taux de chlore et de pH. Voilà, de, vous voulez d'entendre des spécialistes qui parlent, donc qui se plaignent un petit peu du taux de chlore. Il y a des solutions comme ça se fait un peu partout dans le monde. Il vient de parler d'une machine assez spéciale pour régler le taux surtout. Oui, bon, le taux, c'est chaque bassin, normalement, il a ses machines. Il a même le système d'aération. Il faut revoir tout ça, il faut régler tout ça avant les compétitions, avant c'est parce que bon, l'athlète TJ il tombe malade, il prépare pendant 6 mois la compétition, il vient, il tombe malade par rapport à quoi? Par rapport au chlore, ça c'est. Par la suite, bon, les fenêtres étaient fermées, étaient ouvertes plutôt. Et il faut signaler aussi que le bassin, le seul bassin homologué, bassin de 25 mètres, c'est uniquement le bassin de Bad Zouar. Il n'y a pas d'autre bassin qui répond aux normes internationales. C'est pour ça qu'à chaque saison, on organise les compétitions au bassin de Bad Zouar et pas dans un autre bassin. Donc voilà, c'est ça. On demande justement juste un effort supplémentaire, c'est de régler le taux de chlore. Oui, Abno. Je voulais dire, est-ce que la fédération, les organisateurs ont bien pensé leur affaire en allant peut-être s'inquiéter carrément au niveau du bassin de Bab Zouar pour éventuellement avoir une idée sur les moyens mis en place et puis éventuellement ce problème de panne de la machine. Je pense que s'ils étaient présents quelques jours avant, ils auraient peut-être pu trouver la solution. Voilà, on quitte la natation momentanément, on va y revenir puisque c'est le thème de ce 19e numéro. On va parler de tennis cette fois-ci avec le tournoi ITF junior Mahdi Bouras, regretté Mahdi Bouras, Rabbi Rahmo, victoire algérienne, Wahiba Belhaoua. Une domination algérienne avec en double et en simple au cours de Hedra. Voilà. Le reportage est signé donc. Yassine Bahriz et le commentaire est celui de Wahiba Belhaoua. Le tournoi international ITF a été remporté par l'Algérien Youssef Reihan qui a dominé en finale simple le Marocain Sofiane Msbahi sur le score de 6-3-6-2. En double messieurs, le duo algérien Youssef Reihan et Amier a dominé la compétition. Il a éliminé le Marocain en demi-finale avant de l'emporter en finale devant l'Égypte. انا حطيت كاوش عندي في التيران وصافي مده وانا نبريباري ونونطريني شاك جور ما جاتش بالسهل صعيب كانت صعيبه بزاف خاصه المباراه كانت صعيبه امام المغربي سفيان المصباحي بريمامون جو فودري فيليسيتي يوسف ريحان il a fait un match vraiment énorme. Je le félicite. Je remercie beaucoup le public qui a été respectueux et respectueux. Merci aux arbitres. Le tournoi était magnifique. Finale ici, c'est un résultat magnifique. On espère faire mieux la semaine prochaine. Chez les filles, les Espagnols étaient présents en force. Judith Perello Savadra a rencontré sa compatriote Laïcon de Montfort et l'a battue sur le score de 6-1-6-1. Que en el partido me he sentido muy bien porque he empezado con muchas piezas más finales y a ver qué tal los IDFs. Gracias. La finale double a été remportée par Linda Benkadour et Nisrin Touaibia. Elles ont battu les Espagnols Bouzas Maneiro et Lucia Garriguez sur le score de 7-5-6-1. La finale était un peu dure, mais on a su gérer ça. Kadjina Nelopo. Et on a pu emporter le titre que l'année dernière, dites le simple. Mais cette année, j'ai pas pu parce que je reviens d'une blessure. Et Inch'Allah nous dira, le prochain, Inch'Allah nous dira. Le tournoi dédié à la mémoire de Mehdi Bouras a vu une forte participation étrangère de la Suisse, de la Russie, l'Espagne et les USA. L'Algérie a participé avec 20 athlètes, 14 chez les garçons et 6 chez les filles.
Voilà, c'était un retour sur ce tournoi ITF Junior, domination en simple et en double algérienne. Et bravo encore une fois pour les gagnants et merci pour les participants. On passe au basketball, cette fois-ci avec le stage de l'équipe nationale algérienne qui prépare le tournoi qualificatif à l'Afrobasket. Le premier tournoi se déroulera le 16 mars ici à Alger, à Stawali peut-être, on n'a pas encore choisi la salle. Et le deuxième aura lieu à Tunis le 24 mars. Il y a eu donc trois matchs de préparation avec la sélection, une sélection de joueurs africains qui évolue dans le championnat national. Abdennour Belkhir, trois matchs, deux victoires pour l'Algérie et une victoire pour la sélection nationale, sélection africaine, composée de meilleurs joueurs africains qui jouent ici en Algérie. C'était un petit peu une revue d'effectifs avant le tournoi, sauf qu'il y a eu l'absence pour cause de blessure de certains joueurs du GSP comme Bakrish, comme également Touati Sadiq. Il y a eu, et vous voyez l'entraîneur adjoint, les deux entraîneurs adjoints Amin Barandan et Faisal Aktouf qui sont en train de préparer avec Medli Bachelia cette équipe, un cercle performant pour ce tournoi qui aura lieu donc le 16 mars, moins d'un mois. L'Ibachia parle de bilan positif après donc le stage. Il faut rappeler également que le stage du Mali, qui devait avoir lieu au Mali, a été annulé. Il parle d'un côté positif, mais il regrette surtout l'absence des joueurs du GSP pour blessure, vu l'enchaînement des compétitions pour ce club et surtout la charge qu'ils ont eue au début de saison. Oui, les joueurs du GSP, comme on le sait, pratiquement ont activé cette saison sans interruption aucune. Hein, c'est championnat arabe, championnat d'Afrique. Ils ont mené le programme à l'usure sans pratiquement se reposer, ce qui peut-être peut être un désavantage pour la sélection nationale. Mais toujours est-il que le retour peut-être de l'Obachouya pourrait permettre aux 5 nationales de repartir du bon pied compte tenu de la compétence de l'entraîneur. Et puis c'est quelqu'un qui connaît l'ensemble des arcanes du basket algérien. Ce n'est qu'un retour aux sources pour le Bachelia. Je pense qu'il ne faudrait plus avoir de remords pour ce qui est du passé. Il peut regarder l'avenir avec des yeux qui promettent une réussite. Je suis sûr que les Algériens, quand même, ont du pain sur la planche. Le 5, l'entraîneur national a du pain sur la planche, compte tenu du retard accumulé sur le plan international. Le basket algérien n'a pas de tradition en matière de réussite sur le plan africain. Et il n'a jamais été conquérant, sauf qu'en 2001, il a eu le privilège de d'arriver en finale et puis se qualifier face à l'Angola et de se qualifier au championnat du monde. Et depuis, ça a été un peu un passage à vide qui a trop duré, qui a trop perduré. Peut-être qu'à l'avenir, il faut restructurer la fédération, l'équipe nationale, pour permettre au football algérien d'avoir une optique d'avenir plus sereine, plus prometteuse. Et la fédération qui aura un nouveau président très prochainement, puisque le président Rabah Bouhalifi a quitté le bureau fédéral lors de l'Assemblée générale ordinaire dernièrement avec le rejet du bilan moral. Je le disais donc, le 16 mars débutera donc le tournoi qualificatif. Le premier, il regroupera quatre nations, l'Algérie pays organisateur, le Maroc, la Tunisie et la Libye. Deuxième tournoi à Tunis. Concernant les joueurs qui évoluent à l'étranger, on parle de Mahdi Chriyat qui arrivera juste avant le début du tournoi le 16 mars et la confirmation de Mohamed Harat qui joue à Dubaï, au Qatar. Voilà pour la sélection nationale de basketball. Basketball féminin cette fois-ci et la 9e journée de la Nationale Dame, la division Nationale Dame, avec le derby, le big match de cette journée entre Hussein des Marines et le GS Pétrolier. Retour sur ce match avec ce compte rendu signé Nassim Imoul. Jalibir Djaout. Le début de la rencontre et durant tout le premier quart-temps, qui finit à égalité 17 partout, nous assistons à un jeu équitable mené dans une dynamique et un enthousiasme sans précédent chez les deux adversaires, en l'occurrence le GS Pétrolier et les Hussein des Marines. Mais tout va changer au bout du deuxième quart-temps.
Les prometteuses du basketball algérien, les Marines sortent du jeu et les pétrolières s'imposent avec 16 points d'écart, soit 36-28. Au retour des vestiaires, les protégés de Belabas tentent tant bien que mal de s'accrocher et les pétrolières, conscientes du relâchement de leur adversaire, vont gérer dans l'assurance et l'aisance le troisième carton. L'écart est bien creusé. 21 points séparent les opposants et le score est bel et bien pétrolier 66-45. Les USNDN essaient de se rattraper, mais le temps ne joue pas en leur faveur. Elles vont alors juste maintenir l'écart devant les joueuses de Sofiane Boulahia qui continuent sur la même lancée en attaque et défense. Et ça sera surtout les shoots à 3 points qui favoriseront davantage la victoire du JSP au dernier coup sifflé de l'arbitre sur le score de 91-69. Exactement, aujourd'hui nous aussi on a été un peu étonnés par notre rendement, mais on savait qu'on avait, on va jouer contre une équipe qui est classée premier. On connaît que quand même JSP qui a un effectif très riche et avec tous les moyens qu'ils ont, mais nous quand même on s'est préparé en conséquence, on s'est dit au moins gagner et faire un bon match et jouer du spectacle. Mais malheureusement aujourd'hui notre effectif est passé à côté et il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'ensemble de l'équipe, et on va encore jouer pour au moins se qualifier parmi les quatre premiers et pour se qualifier au moins pour les playoffs, espérant qu'on fera mieux à l'avenir. Je tiens à féliciter mes filles pour le match d'aujourd'hui. Je pense que les matchs GSP-HDM, ça a été toujours des matchs compliqués et très serrés sur le score. Heureusement, les filles ont bien appliqué les consignes parce qu'on a travaillé toute la semaine sur les points faibles de notre adversaire. Alhamdoulilah, à la fin, le résultat a été pour nous. Je pense qu'il n'est qu'une victoire dans la première phase. Nous, on a déjà assuré notre qualification pour les playoffs. J'espère qu'on gardera cette motivation et ce rythme de jeu et cette forme pendant les playoffs. Comme ça, on va jouer les titres en fin de saison, Inch'Allah. JS Pétrolier, les filles du JS Pétrolier qui ne laissent pratiquement rien sur leur passage. Ils dominent ce championnat. 9 victoires sur 9 matchs joués. Et également un début de saison époustouflant avec ce titre arabe et cette 5e place sur le plan africain. On leur consacrera la semaine prochaine un zoom. C'est certainement avec grande fierté que vous vous rencontrez pratiquement chaque matin, représentant de chaque discipline. Vous donnez de la natation, le basket. Et... Alhamdulillah. Sans oublier aussi que le JSP détient toujours les meilleurs athlètes. Donc c'est partout. Il ne faut pas oublier que c'est un club structuré. D'accord. Exactement, bien sûr. C'est pour ça que les athlètes, ils aiment leur club. Et ils font tout pour gagner. On a tendance à trop dire que le GSP prend les meilleurs athlètes et un petit peu ils ont les meilleurs moyens, mais personne ne dit pratiquement que c'est un club tout d'abord structuré. C'est pour ça qu'il arrive à ce niveau de réussite dans différentes disciplines. Oui, quand le GSP prend écrème un peu le milieu sportif, c'est logique que les meilleurs éléments se trouvent au GSP. Je pense que s'il n'y avait pas peut-être la prise en charge réelle et effective des responsables du GSP pour ce qui est des meilleurs éléments à l'échelle nationale dans différentes disciplines, il y aurait peut-être malheureusement une déperdition. Des athlètes de bon niveau dans différentes disciplines, donc ce sont qui n'ont pas les moyens dans leur club, ou bien ils optent pour les clubs plus huppés, et notamment le GSP,
ou bien ils arrêtent carrément leur carrière. Et je pense que pour cela, les responsables, à tous les niveaux que ce soit, doivent penser à l'affaire en donnant plus de moyens aux autres clubs, de manière à ce que la concurrence soit réelle et effective dans nos différents championnats. Lorsqu'il y a un déséquilibre, lorsqu'il n'y a pas un nivellement de valeur, c'est le niveau des différents championnats qui en pâtit. Et surtout, ça se répercute sur le niveau de l'équipe nationale dans les différentes disciplines. Si le GSP a dominé en natation, et si le GSP a gagné donc, tous ses matchs en basketball féminin, ça n'a pas été le cas cette journée pour les handballeurs qui se sont fait battre par l'équipe de Berkeley. L'équipe de Berkeley est pratiquement la bête noire de. Ça va faire voilà, elle est devenue la bête noire depuis pratiquement 2 ans. Et je rappelle aussi qu'en, je crois qu'en 2009, il y a eu une finale, 2009 ou 2010, il y a eu une finale de Coupe d'Algérie entre Berkeley la première fois, oui. Berkeley contre le GSP. Et Berkeley à l'époque a causé beaucoup de problèmes à l'équipe du GSP. Et il y avait comme entraîneur Kamel Madoun qu'on salue. Et actuellement, l'équipe de Berkeley, après le départ de Karim Bechkour, elle bénéficie d'un encadrement technique très compétent. Donc en retour sur le match, donc, on disait que le public aussi, qui a joué aussi un grand rôle dans la victoire aussi du club de Berkeley, c'est un public qui se déplace aussi. On le trouve dans la salle de Berger Kiffen, on le trouve un peu partout. Donc c'est un public qui devient connaisseur de la discipline. Donc Berkeley, le match en lui-même était équilibré en première mi-temps, avec un écart de 1 point, je crois, en première mi-temps avec 7-6, mais en deuxième mi-temps, c'est surtout l'expérience ou disons les arrêts de jeu du bon gardien Islam Bouhatem, qui a fait un grand match et il fait tout le temps de grands matchs. On signale aussi que l'équipe du GSP dans ce match, elle a aligné pratiquement les meilleurs athlètes, les meilleurs handballeurs, et comme gardien Slahdi, et a été battu par un point par l'équipe de Berkeley, qui 19-18, et qui rejoint qui était à 4 points du premier, le groupement sportif des pétroliers, donc qui rétrécit un peu qui réduit l'écart de 2 points. On parle aussi de l'équipe de, peut-être avant les résultats, oui. De l'équipe de Ntouta qui a battu Wergla à domicile la semaine dernière, et que Ntouta aussi qui a rencontré, qui a accueilli l'équipe de Mila, et qui a battu l'équipe de Mila donc le titre se joue entre le GSP Ntouta et le Borj aussi, qui a battu l'équipe de Wergla à domicile. Le résultat en musique, et on se retrouve juste après. Le GSP est toujours premier en compagnie de Ntouta, donc on vient de le dire, qui a enchaîné un deuxième succès de rang après celui de face à Wergla. Cette fois-ci, c'était face à Mila. Également, deuxième journée de playdown avec le MC Saïda qui occupe la première place. On va donner les résultats. Le MB Tajnant a perdu à domicile face à l'Olympique Alouad 20-25. Le Moulia Doran s'est imposé devant le MC Saïda 27-20. Et Al Harouche qui s'impose devant Al Biar 27-24, El Biar qui s'était imposé la semaine dernière devant Tejnant. Premier Saïda, deuxième Tejnant et troisième Alouette en compagnie du Moulia Doran. On quitte le handball pour parler du semi-marathon de Wergla avec une très très forte participation. Il y avait du très beau, de très belles choses à voir et à découvrir, comme nous le décrit notre collègue de la rédaction Karim Haïfa. 12 athlètes venus de 48 villages du pays ont pris part à cette 6e édition du semi-marathon national des Oasis. Une course de 15 km à partir du siège de la commune de Sidi Khouiled vers la ville de Wergla. Une édition marquée cette année par une participation massive des femmes, une centaine au total. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour la réussite de cette manifestation sportive qui a regroupé 772 athlètes, dont 100 femmes. Chez les messieurs, la course a été dominée de bout en bout par les athlètes du club sportif Nasser Al-Mouloud d'Alger qui ont pris les 3 places du podium.
C'est une course importante, surtout pour la saison. J'espère qu'on fera mieux pour le championnat d'Algérie. Dans la catégorie des dames, Nassima Sabour de l'équipe féminine de la protection civile d'Alger a brillé par sa détermination et son endurance en remportant la première place. Dieu merci, j'ai réussi à décrocher la première place. Cela fait partie bien sûr des courses préparatives du championnat d'Algérie qui doit se dérouler à partir du 11 mars prochain à Sidi Bel Abbès avant de participer au championnat du monde en Ouganda. Je suis troisième de la course. Je remercie les organisateurs de cette épreuve sportive et surtout les Wargli pour leur hospitalité. Je suis fidèle. C'est la meilleure organisation de la Wargli. Tout le monde vient de Annaba. Donc, ni dans le Wargli, ni dans le Wargli. Initié en coordination entre la direction de la jeunesse et des sports de Ouargla et la Fédération algérienne d'athlétisme, cette compétition a consacré des prix d'encouragement d'une valeur globale de près de 600 000 dinars. Elle a été rehaussée par la participation du plus vieux coureur, un octogénaire de la wilaya de Batna. Voilà, nous avons eu pour leur compte ceux qui étaient présents à Ouargla pour ce semi-marathon. On reste avec l'athlétisme pour vous dire que le cross Saïd Cherdioui de Tizi Ouzou, qui était prévu initialement samedi prochain, il aura lieu vendredi à partir de 9h pour la simple raison que le lendemain, donc il y aura l'Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Algérienne d'Athlétisme et puis on a pensé également aux examens des écoliers et des étudiants, donc c'est bien ce qu'ils ont fait les dirigeants de la Ligue de Tizi Ouzou d'athlétisme en pensant aux élèves. On reste ou on passe à autre chose. Le musée olympique algérien qui ouvre ses portes 15 jours après avoir été inauguré. Il y avait les représentants et surtout des petits bambins pour cette première visite. On revient sur l'ouverture et on se retrouve juste après. Fait son inauguration, le musée olympique algérien ouvre ses portes au public. Un moment historique et fort pour son premier directeur, seul représentant algérien à la première participation aux Jeux olympiques. Aujourd'hui, après quelques années, disons un demi-siècle, me voilà premier directeur du musée olympique national qui va ouvrir au public ce jour. 50 ans d'histoire, 50 ans d'aventure de ce mouvement sportif national. Le musée olympique aujourd'hui, c'est une des plus belles acquisitions du mouvement sportif national. Et il est clair que aujourd'hui, ce n'est pas l'historique de ce mouvement, ce n'est qu'une infime partie de cette aventure du mouvement sportif national. Et pour marquer l'événement, rien de tel que l'innocence de ces petits bambins qui nous viennent de l'école arc-en-ciel de Wad Rumman et de l'établissement primaire Sékou Touré de Sidi Mohamed, un moment magique à partager avec nos champions. Je suis la première de déposer mon débardeur et mes fers de pointe. Je l'ai laissé à un moment donné à la maison, mais je me suis dit, à la maison, c'est pas intéressant. Il vaut mieux, un jour, il y aura le musée. Et j'ai rêvé de ce musée et on l'a maintenant. Ça fait plaisir de voir avec des riches, je vois les riadiens, je vois les riadiens, je vois les riadiens, je vois les riadiens, grâce à tout le monde. Un musée olympique, c'est toujours bien pour les générations futures, pour qu'ils sachent déjà l'historique du sport algérien et notamment en athlétisme. Aujourd'hui, j'ai découvert beaucoup d'athlètes algériens. Grand champion. Très grand champion qui ont gagné des médailles d'or, de bronze et d'argent. Donc ça m'a beaucoup plu. Et j'ai pris quelques photos pour prendre des souvenirs. L'après-midi, quand je vais rentrer à la maison, je vais tout raconter à mes parents et je vais photographier le maximum des photos. Et en ce moment même, je suis très impressionnée de voir des athlètes très grands, de grands champions devant moi, des grands sportifs. Je pense que c'est très très impressionnant et je suis contente de venir dans ce musée. Le président du comité olympique algérien qui a veillé au bon déroulement des travaux était lui également au rendez-vous pour prendre part à cette ambiance saine. Cette superstructure est la bienvenue dans le paysage
médiatique et le paysage sportif algérien. Et je suis sûr que cela permettra d'être un lien entre les anciens, les nouveaux et les jeunes générations. Le musée olympique algérien n'est qu'à son point de départ en attendant d'être enrichi par d'autres trophées et objets qui ont écrit l'histoire du sport algérien. L'un des Olympiens est avec nous sur le plateau, Mahdi Hamama, qui a pris part aux Jeux de Pékin 2008. Ça vous a plu un petit peu l'initiative d'ouvrir un musée, certainement. Enfin, une reconnaissance aux athlètes. C'est les sportifs l'attendaient, comme le sport en général, même les athlètes, c'est leur droit. Vous êtes prêts à mettre ces objets ? Inch'Allah, Inch'Allah. Ouais. C'est pas loin, c'est juste en face de la salle Harcha. Il y a plusieurs champions qui ont mis leur paire de pointes. Il y a Nadim Mosli, des barbeurs de Marca également, le Donny Ritt. Il y a la Coupe d'Afrique aussi, du football 90. Il y a beaucoup de souvenirs des athlètes. Qui sont sur place. Et très prochainement, les écrits de Abdelmoul Bekhir et d'autres écrivains qui ont écrit le sport algérien depuis 62. Oui, on se fera un plaisir de donner un coup de main au Musée national. L'initiative, elle est louable à plus d'un titre avec la visite des écoliers. Comme ça, ils auront une idée sur un peu le passé, l'histoire du sport algérien dans toute sa. Je garderai un souvenir, un enfant est venu à moi, pardon, je vous ai interrompu, pour me demander. Il me dit, ah, mais pourquoi je suis dans les Jeux Olympiques? Voilà. Donc, je me faisais un plaisir de me dire, c'était en 1887. C'est la présence des athlètes qui. Comme on l'a fait pour la révolution algérienne. L'éducation algérienne. Comme on l'a fait pour la révolution algérienne, ils le font pour le sport algérien. Vous savez, c'est dans les souvenirs que les choses prennent leur place ou reprennent leur place. On ne peut pas traverser l'histoire. Et pour cela, il faut. Pour avancer, il faut savoir d'où on est parti. Donc, avec le Musée national, les Algériens, dans toute leur globalité, se reconnaîtront et puis auront une idée réelle sur l'identité du mouvement sportif national. Des nouvelles des fédérations avec les assemblées générales électives ordinaires également. On commence par l'assemblée générale élective de la Fédération algérienne de cyclisme. C'est Mabrouk Karboura qui a été élu pour un mandat de 4 ans. Seul candidat au poste, Mabrouk Karboura a été élu par acclamation par les 25 membres présents à l'assemblée générale pour le mandat olympique 2017-2020, initialement prévu pour le 9 février, donc de l'article 42 du règlement intérieur de la Fédération algérienne. L'Assemblée générale a été repoussée suite au rejet du dossier de Rachid Fezouil, l'ancien président Rachid Fezouil, qui avait déclaré à la presse dernièrement qu'il avait été acquitté par la justice et que cette Assemblée générale élective était illégale. Tennis également, les membres de l'Assemblée générale ont s'est réunis samedi en session ordinaire à Sudanien, ont adopté les bilans moraux et financiers du mandat 2013-2016. L'Assemblée générale élective aura lieu le 4 mars. Gymnastique également, adoption du bilan moral financier. Et pour la boxe également, ils ont adopté les deux bilans moral et financier. Les dernières minutes, voire les dernières secondes, on les termine avec notre invité, Mahdi Hamama. C'est fait, vous dominez le championnat national petit bassin hivernal. Il y a, vous venez de le dire, le principal objectif, c'est l'estival. Mais avant cela, est-ce qu'il y a des objectifs intermédiaires, comme prendre part à des compétitions internationales? Pour le moment, c'est rien. Par rapport aux élections de la fédération, on n'a rien comme programme international ou national. Même le national, on sait rien par rapport à tout le rapport de l'Assemblée générale. Bien sûr. Après, le premier, ouais. Peut-être soit le nouveau bureau, soit c'est l'ancien qui sera. J'ai une petite question à poser à Hamama Mahdi. Ouais. Hamama Mahdi, qui est natif de Constantine. Donc, Constantine avait un potentiel à l'époque de nageur. Et il y a une déperdition. Peut-être dans nos souvenirs, il y a Nadaz Hilet qui était une très bonne nageuse. Zawilesh. Zawilesh. Qui était une très bonne nageuse. Quelles sont ses nouvelles? Voilà, on demande ses nouvelles. Et puis, pourquoi la pratique de la nage? Pourquoi la déperdition des athlètes à Constantine? C'est par rapport toujours aux bassins. Aux infrastructures. Exactement. C'est par rapport toujours. Il y avait plus de nageurs, comme mon petit frère. Hamama Amin, triple champion arabe en brasse, et avait Mahmour, Ramzi, c'était le groupe de Oussama Sahna. Vous entraînez à la piscine de Sidim Sid, c'est vrai? Sidim Sid, Krebs,
Cap, c'est la mythique piscine de Sidi. Exactement. Hammam Mahdi, par rapport au nageur de sa génération, il détient toujours un record. 200 mètres 4 nages. 200 mètres 4 nages. Ouais. Quelle année? 2009. Quel était le record? De 4. 6. De 4. Eh bien, moi, je vous donnerai un autre record qui vous appartient, 2011. Au petit bassin, 86 centièmes de seconde. Ouais. C'était au championnat d'hiver en 2011. Donc, vous avez deux records à grand bassin et petit bassin. Toujours, ouais. Vous avez toujours rencontré Bakouya Ibrahim El-Hawa dans les compétitions nationales et internationales. Espérons d'autres records en tant qu'entraîneur. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui, Mahdi Hanama. Merci à Iba, merci à Abdelmane. On se retrouve lundi prochain. Il faut rappeler juste que juste après l'émission, il y aura le big match, le derby algérien entre l'USM Alger et le CRB. Le CRB, ça sera au stade du 5 juillet, commenté par nos deux collègues Mohamed Haouchine et Rachid Malek, qui débutera à 18h. On se retrouve ce soir pour la rediffusion à 22h. Et puis, cette émission, elle est dédiée à Mouloud Cherfi, ancien journaliste et sénateur, qui nous a quittés aujourd'hui. Arbi Rahmo, Inna Lillah, Inna Ilayhi Raji'un. On se retrouve lundi prochain. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui du studio numéro 7.